Je m'appelle Loïc Meillard et je suis skieur et photographe amateur. La qualité de Leica, en fin de compte, déjà, c'est dans la construction de l'appareil, le capteur, le fait d'avoir cet appareil en main, on sent qu'il y a une certaine qualité qui est là, qu'il y a un certain savoir-faire derrière. Cette couleur Leica qu'on retrouve seulement dans ces appareils-là. Avec le Q, c'était l'opportunité d'avoir un petit peu quelque chose haut de gamme, d'avoir la qualité de l'objectif, la qualité du capteur, mais dans quelque chose qui reste compact et facile à transporter partout. Même certaines des photos qui ont été prises avec le Q3, c'était dans le vent, dans la neige, je les posais par terre, donc c'est vrai que j'ai tendance à les transporter un peu partout, les amener dans les éléments, et j'ai pas trop peur de le faire avec. C'est un appareil polyvalent, facile d'utilisation et quand même professionnel. La photo, ça me permet juste de m'évader, de profiter de l'instant et même si on retourne à un endroit pour la 10e fois, de garder, je dirais, l'œil ouvert et de profiter aussi des alentours. J'ai la chance de voyager beaucoup à travers mon sport, à travers mon job et c'est pour ça que je suis parti sur le cul. Moi j'aime bien l'idée d'avoir un objectif fixe, 28 mm. Déjà j'aime faire des photos qui sont assez larges. Et ça permet en fin de compte d'adapter son point de vue, de devoir se déplacer soi-même, pas de juste pouvoir zoomer. Donc des fois on doit un petit peu faire un pas en arrière, se déplacer ailleurs, voire prendre une autre perspective. Dans l'équipe, c'est vrai que j'ai peut-être la tendance à être des fois un peu le photographe attitré. Ça enlève un petit peu ce tracas dans la tête. Est-ce que j'ai le bon objectif? Est-ce que c'est pas un petit peu gros pour transporter avec? Et ça, c'est vrai que c'est un grand avantage du Q.